discuter avec Antoine. On est très content de vous accueillir pour cette première visite virtuelle. Voilà, donc c'est la première des plusieurs visites qu'on va faire ce semestre avec la IM2 de l'Université de Lorraine. Et on est très content d'être avec Patrick Moya ce soir pour qu'il nous fasse visiter son livre. La maquette du château de Courcelles, on va voir l'office de tourisme. Et après, si on ira dans les studios pour voir comment on prépare les expositions aussi. Après, vers 20h, il y aura une DJ qui va venir. On va mettre la nuit, puis on pourra aller dans l'exposition telle qu'elle était dans le monde réel. Mais l'intérêt, ça a été de pouvoir vraiment monter l'exposition telle qu'elle. C'est-à-dire, par exemple, je prends cette toile abstraite qui est là, et je vais la déplacer. Voilà, je vais la déplacer et je peux la mettre dans une autre salle. Tous les autres métavers où je suis. Il y avait AirChat. Alors, on va essayer de tous monter sur la voiture. Voilà. Alors, on est combien? 6 dans la voiture. Je reproduis à chaque fois à peu près les. Voilà. Et là, est-ce que vous entendez la musique? Voilà. Donc là, on est sur Discord en même temps. Come and join the lamplighters at their village because they're just about to start in with their procession, which will weave its way amongst all of the amazing builds here on the playa and reach the destination, which is the man. Well, no, not quite the man. It's the dragon effigy, which will burn. Welcome. So glad Patrick Moya is. This is part of the American Library Association, which is actually a global entity that helps with education around. The group is the Association of College and Research Libraries, the goals of the Virtual Worlds Education Consortium, to understand how the metaverse can be used for education. ACRL is part of the American Library Association, and our goal today is to demonstrate how virtual worlds can share high-quality artistic media and can archive the work of artists like Patrick Moya. Many of Patrick Moya's art installations and exhibitions over decades. So, meet you in Moya Land. There's the URL for Moya. See you there, everyone. Begin by walking over to the information center that tells about the real photography of the real carnival and my participation. And then across this way, you'll see drawings that show the development. Here is a project. Payasu is one plush. It's project in the air. There's much, much more, and many of his exhibits in the real world are brought here into Second Life. See if we have any discussion or questions, and then, you know, you can bookmark this place and come back again. And I prepare the exhibition. I use the digital twin for prepare the exhibition. Other in the car, okay. Good travel. Voilà. Voilà. Salut Célène et Bohémio. Bonsoir Patrick. Bonsoir Patrick. Et c'est en anglais? Oui, il y a des textes en anglais. Anglais et français. Ah. Oui, il y a les deux. Ouais, génial. Yeah. Ça a été écrit par Camerina. Ohayo. Ai. とても良かった。これからも頑張ってください。
Arigato, arigato. ありがとう。メカニック。Le métavers est aussi un engagement à destination des citoyens et des usagers. Cette porte verte virtuelle sur votre territoire, vous l'avez découvert, prend la forme d'une reconstitution détaillée aujourd'hui de la Villa Masséna, des emblèmes de l'architecture et du patrimoine niçois. À l'intérieur seront mises en valeur les actions culturelles, événementielles et touristiques du territoire. Ce métavers est donc une plateforme de diffusion autant qu'un espace d'échange participe au rayonnement de notre territoire. Invite à des expériences immersives, ludiques et sociales. Laboratoire des pratiques culturelles innovantes, notamment numériques, service d'une politique de développement des publics. Il invite aussi précisément à réfléchir aux nouveaux formats de contenu que nous souhaiterions valoriser. Une conférence, Patrick Moya, précurseur en usage artistique des mondes virtuels. Cher, très présent, votre pratique du métaverse, la façon dont vous l'avez déjà utilisé pour mettre à l'honneur des éléments forts de notre histoire, avec votre version virtuelle du carnaval de Nice, et votre reconstitution et vos usages du la centre. La première image qu'on voit, je l'explique déjà avant que ça se positionne, c'est le carnaval de Nice virtuel, justement, qui est vieux maintenant de presque 12 ans. C'est en 2009 que j'avais réalisé le premier carnaval virtuel dans Second Life. Et ce qu'on voit là, c'est un journaliste de 01.net, je vais revenir en arrière, c'est un journaliste de 01.net qui était venu cet été faire un reportage sur le futur du tourisme dans le métavers, monter la surface possible du réel dans le métavers. Et avec Patrick, nous avons décidé donc à ce moment-là de créer, de faire rayonner cette exposition de façon virtuelle, en créant donc l'artistique, un double de cette exposition. Et nous avons pu l'inaugurer, nous avons pu y faire des conférences et la faire visiter par des gens du monde entier, participer aux journées d'ICOM de l'UNESCO, etc. Du véritable télétravail, en somme. Je ne sais pas si Eric a quelque chose à ajouter. Et après, je vous ferai, pour ceux qui veulent rester, ben je mettrai un peu partout des œuvres que je sortirai de mon inventaire que j'avais fait pour Spatial, et je les poserai comme ça, voilà. Ça sera juste comme une petite performance, mais on pourra se promener dans les jardins. Ben, je ne sais pas si Eric, si tu as une conclusion. Bravo Patrick, je ne sais pas si moi... Jean-Pierre, il y a Bruno Bébert qui te veut sur la photo. Oui, mais je voudrais bien te trouver. Tu es caché à quel endroit, toi? On est dans la cour du musée, devant un grand bonhomme qui me représente. Oh là, mais là, il y a du monde, là. Grande photo, voilà. Voilà, tourne-toi, grande tourne-toi. Photo de groupe, voilà. Pour la... Voilà. Je suis là, voilà. Si vous regardez au-dessus de ma tête, vous voyez Bruno en réel en train de prendre les photos. En réel.
bit of a tradition to read the 10 principles of Burning Man aloud on self-reliance. Burning Man encourages the individual to discover, you can watch the temple learn. Lamplighters, we have a big show coming up at 2 o'clock today, 2 p.m. SLT. Ho detto di questo okay. problema. Ok, ok. Perfetto. Ok, okay. Va bene. Tanto bene. Ciao. Grazie, ciao. Grazie mille. Grazie. Impostazioni, non lo so, chiaramente dipende, dipende anche dal... To thank you everyone here, I would like to thank for the children from Kenya. You can do donations called Conte Partiro from Andrea Bocelli. Sei non ci sei, tu mostra il tutto il mio cuore che ho a cervari. E io lo so, all'orizzonte mancano le parole. E io sì lo so che sei con me, tu mi allona, tu sei qui con me. Buongiorno. Seguimi per vedere una piccola parte di questo metaverso artistico. Al primo piano del Museo di Arte Contemporanea troviamo le prime opere, poi al primo e al secondo le più recenti. Il Museo della Ceramica è uno dei tanti musei che presenta il lavoro di Moya. Puoi anche visitare le riproduzioni in 3D di mostre nel mondo reale e anche le due cappelle dipinte dall'artista. Il parco divertimenti ti permetterà anche di rilassarti. In città puoi trovare tutto ciò che Moya ha fatto in Asia e anche un museo di street art e performance.
Tra i reperti Moya riprodotti in 3D possiamo visitare la Reggia di Caserta e la cantina del Palazzo Ducale di Mantova e molti altri. Potrai trovare opere molto reali del mio creatore a Bordighera per il festival Agora. A presto!
Et on a commencé à amener des céramiques pour voir comment on va installer l'exposition. Ça permet de faire une maquette 3D de l'exposition. Ça permet même de faire un travail collaboratif avec le curateur ou la curatrice. Et donc bientôt, on pourra voir l'exposition virtuelle et après, bien sûr, en réel à Salerne. À bientôt à Salerne. Sommeil is Picard de Roland, is the name of the artist. And von Rhein est allemande, elle est de Düsseldorf. Trying to login up my account. J'ai vu 272 personnes qui ont visité. Non, 275. Il y a plein de gens qui vous ont trouvé en tout cas. Si elle t'a répondu, j'ai vu passer. Ah oui, tu vois Patrick. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le chat. Des belles ombres aussi. Mais... intéressante. Est possible des vistas sous le téléphone, sous le téléphonine. Very nice. There's painting, sculpture, ceramic, and NFT. À tout à l'heure. Hop, ça y est. US Turkish. The of the exhibition is not finished. You want to know that? No. Speak English very well. Bonjour. Where are you from, bud? Nice, in France. Oh, it sounds really nice around there. Are you Patrick Moya? Yes. Oh, I see your Wikipedia article. Ah, yes. You're a French artist. Yes. Wow. You are cool. Thank you. What is that, like, little guy, your design? Virtual Patrick art. Moya is a famous French artist. And this is our interview of Patrick Moya. Good travel. He's older than that. In Real House, in Nice.
Here is a photography of Real exhibition. You did a collaboration with Christian Dior. Ça, voilà. Écoutez, il prêtait le serment d'être fidèle. On a marre, hein, c'est bon. J'ai une heure, j'ai un quart d'heure de retard. C'était une gesture de bouchon ou c'était vraiment... Ah non. Ils sont de Lettonie et Allemand. Il y a beaucoup de messes de Noël à Nice. Celle-là est particulière. Elle va être partagée avec le monde des métavers, et donc sur l'île de Patrick Moya, l'artiste qui est ici. Vous le voyez à l'écran, des personnes du monde entier sont venues avec nous, par l'intermédiaire de nos avatars, assister à cette messe. Eux-mêmes la voient en retrospection vidéo, on le fera à la télévision. Donc nous accueillons, we welcome you in the virtual church, in the Moya land, in Second Life, and thank you very much for your presence. And we are together in prayer celebration to feast our big feast, our great feast of Christmas. Merry Christmas to everybody. Bonne fête à chaque vie. Nous allons l'adorer pour sa naissance avec énergie, l'image et plus tard. Et l'esprit de Noël, c'est bien dans la croix où sa vie est fidélité enfantale sur le monde. Par une adorée, on peut rien faire. Et Patrick Moya est un artiste, il a une grande île sur Moyenland, et je vous invite à aller faire.